Moi, quand je veux bien me détendre, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je me prends un bon bain avec de l'huile d'arnica. C'est parti, mon kiki. T'as craqué ou quoi? T'as cru que j'allais te faire un striptease? Alors moi ce que je fais pour bien me détendre, eh ben, je prends un shot de Jaeger. Et je me fume un bon joint. Et là. Détente assurée. Non, je déconne. Non, pour me détendre. Ce que je fais, c'est que je lis un bon bouquin. Et au bout d'un chapitre, je suis déjà gavée. Alors ce que je fais, et ça m'endort, je me fais une petite sieste. Ah. Le problème, c'est que ça me fait mal à la nuque. Donc la dernière fois, je m'ennuyais tellement dans mon bain, et bien qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis stretchée. Et ouais, dans l'eau chaude, mes muscles étaient bien relâchés, et du coup, j'ai fait des petits exercices. Alors je sais que tu veux savoir ce que je fais. Je peux pas faire grand-chose, mais en tout cas, je vais tout faire. Je sais pas si on va bien voir, je suis désolée, je manque de matos, hein. Je m'appelle pas Spielberg. Ok, je pose comme ça, peut-être que tu verras. Ce que je fais, c'est que déjà, je vais aller m'écraser dedans. Donc là, dans mon bain, je vais aller attraper mes chevilles. Ok, une fois qu'on s'est détendu l'arrière des jambes, les genoux, on va s'allonger. Je tends bien ma jambe qui va rester au sol. Là, je m'appuie contre le bout de ma baignoire. J'attrape une jambe, donc là, en l'occurrence, ma jambe droite. Et je viens coller mon genou contre ma poitrine et je laisse ma jambe à 90 degrés avec le pied flex en haut. Là, ce que je fais, je vais faire des contractés relâchés. Donc, je vais pousser mon pied vers le plafond. Je retiens avec ma main opposée. Et je retiens 5 secondes et je relâche. J'en fais 3. Et je relâche. Et je relâche. Là, je vais essayer de laisser mon genou là où il est et je vais tendre la jambe. Voilà. Et le but, c'est d'aller toucher l'arrière de la baignoire. On en fait plusieurs, bien évidemment. Là, je ne l'ai fait qu'une fois, je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures non plus. Et pareil de l'autre côté. Alors, ce qu'on fait, c'est que soit on n'est pas très souple et on tend la jambe ici. Donc là, pareil, je vais faire mes contractés, relâcher, etc. Ensuite, je vais avancer un petit peu mon genou, refaire mes contractés, relâcher. Et là, je vais essayer de laisser mon genou où il est et de tendre la jambe. Ok. Donc après, le but, c'est d'aller toucher le dos de la baignoire. Ce que je fais, c'est que je me tourne et je passe à... Je viens serrer mes deux pieds, je me mets en tailleur, enfin pied contre pied, n'est-ce pas? Et je peux faire le papillon. Fais gaffe parce que ça fait des barbes.
Voilà, on fait doucement, c'est rien de faire doucement, ça voltige. Je viens appuyer sur mes genoux, un coup à droite, un coup à gauche. J'attrape mes chevilles, je pousse avec mes deux coudes, j'essaie d'aller toucher le fond de la baignoire, oui, n'est-ce pas? Ah oui, et puis je voulais dire une petite chose, si t'as pas de baignoire, bah j'ai envie de dire dans ta